Bon après-midi les touristes, c'est Victor et aujourd'hui nous nous retrouvons dans une nouvelle vidéo. Oui mais qu'est-ce qu'il dit, c'est ta première vidéo là. Donc oui, c'est ma première vidéo, je l'avais pas dit, excusez. Donc il faut que tu présentes le concept de ta chaîne YouTube. Bon, avant de vous présenter le concept de la nouvelle vidéo. Mais qu'est-ce que tu dis, avant de présenter le concept de ta nouvelle vidéo, c'est ta première vidéo. Donc, il faut que tu expliques le concept de ta chaîne YouTube et ce que tu vas faire. Mais c'est un amateur, qu'est-ce qu'il dit lui? Oui, j'avais aussi oublié que c'était ma première vidéo, donc il fallait que j'explique le concept de ma chaîne YouTube. Bref, les sujets que je vais aborder dans les vidéos que je vais faire plus tard, dans le futur, ça va être des vidéos gaming où je vais vous présenter des jeux, des trucs ou pour vous aider dans des jeux vidéo. Puis, je vais vous présenter des expériences sociales dans la rue que personne n'a déjà faites. Et je vais faire des vlogs de voyage ou des vlogs où je vous présente des lieux excitants ou originaux dans mes vidéos à venir. Je vais faire des vidéos une fois par mois ou pas, parce que j'ai souvent de l'étude, des devoirs, des examens et des projets personnels plus YouTube. Alors ça fait beaucoup de choses, beaucoup de trucs à étudier. Donc je vais faire une vidéo à chaque mois. Je sais pas si ça va vous décevoir. Bref, dans cette vidéo, nous allons aller rue de Montebourg. Nous allons aller à Ottawa. Ouais! Non, c'est une blague, je vais au Japon. Mais je vais tout vous expliquer ça quand on va être à Vancouver. C'est l'escale pour aller au Japon. C'est à 5 heures de vol de Montréal. Alors, je vais tout vous expliquer le concept de la vidéo quand on va être rendu à Vancouver. Alors, bye! Et pour ça, je vais vous envoyer mon clone personnel qui s'appelle Roger, qui va tout vous expliquer ça d'une façon robotique. Alors, je vous le passe. Nous voici à Vancouver. Nous voici à Vancouver. Après 5 heures de vol, on est rendu à Vancouver. C'est l'escale de Osaka. Puis comment je voulais vous expliquer la vidéo? Premièrement, la vidéo va se faire en 4 vidéos parce que je vais vous présenter 8 destinations qui vont être à 8 différentes villes. Et ça va être même pendant tout le voyage. Je vais vous montrer des restaurants, de la culture ou des musées, et j'espère que ça va vous plaire pendant le voyage et la vidéo que je vais vous montrer. Alors, je vous rejoins à Osaka parce qu'on est dans l'aéroport de Vancouver comme vous voyez. Alors bye et abonnez-vous aussi. J'avais oublié de dire quelque chose, c'est que le vol que je vais faire pour aller à Osaka, il est de 9h. Alors je vous rejoins dans 9h. Avec la fatigue et avec la grosse excitation de vous présenter cette vidéo. Ici, vous pouvez quand même acheter des trucs super luxueux, gratter votre argent, même si vous n'allez plus en avoir, comme ici, vous avez Salvador, Vega. Et ici, vous pouvez gratter pour des montres de 10 000 $, comme ceci. Vu que la technologie a pris la main de l'humain, l'humain ne trouve pas assez pour faire les avertissements de leur avion. Alors c'est des écrans qui nous montrent. Alors nous venons d'arriver à l'aéroport de Osaka.
Alors j'aimerais ça que vous soyez empathique avec mes cernes et ma fatigue. Et je vais tout vous expliquer ça. On va aller au Airbnb, à notre appartement. On va prendre le train et l'autobus. Alors là, je vous rejoins, je prends mes valises et je vous rejoins au Airbnb. Bye. Bon, on va se là. Alors, vu que la fatigue est là et que je suis fatigué pour aller faire plein de vidéos, ben, on va aller découvrir la ville de Zaka. On va se promener dans les rues. On va aller peut-être se promener dans des commerces. Mais ça, c'est vu de la fatigue. On va faire des trucs relax, se promener dans la ville, faire des trucs comme ça. Puis, j'espère que ça va vous amuser, que vous allez plaire. Cette vidéo, ça va vous plaire. Match de Beyblade, oh my god, oh my god. Alors, on va se promener aujourd'hui dans trois quartiers du Japon, trois quartiers de la ville de Osaka, et on va aller dans des magasins, des restaurants, et c'est ça, on va visiter, on va aller dans une épicerie japonaise. Allez, aujourd'hui à l'épicerie, nous allons entrer dans l'épicerie. One Piece, les repas de One Piece, c'est incroyable. Nous avons la rangée complète de Tsukurami, toutes des différentes sortes. Et là, on est en train de choisir un pot de ramen, sauf que c'est tout écrit en japonais et c'est un petit peu compliqué. Fait que ça fait longtemps, on est en train de chercher, mais ça va être compliqué. Hello, je m'appelle Pikachu et je suis un bol de ramen. Waouh! Regardez ce beau Pikachu qui nous vient. En japonais, bien sûr, pas bien tout le monde. Des magasins, des restaurants. Là-bas, il y a la statue de la liberté qui est en hauteur pas mal, qui est prête de tomber, on dirait. Et voici ce quartier. Il est très accueillant, il y a beaucoup de magasins. Nous allons aller manger un restaurant japonais, mais je vais vous montrer ça va être quoi bientôt dans quelques minutes. Alors, je rejoins là-bas. Et bye. Alors, nous sommes au premier restaurant que je suis allé au Japon. C'est un restaurant de ramen. C'est vraiment bon. Et ça a du goût. Et si ça aurait été un restaurant à Montréal, ça aurait été un restaurant 5 étoiles. Je vous dis. Salut tout le monde. Aujourd'hui, nous allons aller à l'Arcade Gaming qui est dans le Donanba à Osaka. Et vu qu'il pleut, on va aller dans des arcades parce que on veut pas se faire mouiller. Donc je vais vous montrer ça dans le métro et quand on va être à l'arcade. Ok, bye, et je vais vous montrer les jeux, les arcades et ça. Ok, l'Arcade Gaming. Alors je vous montre. On est arrivé très tôt ce matin parce qu'il va y avoir beaucoup de touristes ici parce que c'est très touristique. Alors, et a été une des capitales au 8e siècle et ça a été que tous ces temples ont été construits il y a très longtemps. Très très longtemps. Biscuits, ils veulent juste la nourriture. Et ils sont populaires. Au temple du Bouddha, fait voir le temple du Bouddha. On va aller à l'intérieur bientôt. Alors, je vous rejoins là-bas. Et je vais vous dire que la vidéo de Osaka va bientôt sortir. Où je vais vous présenter la ville et tout ça. On va aller à l'intérieur bientôt. Il est gigantesque. C'est la maquette de tous les temples. L'autobus la plus rapide. Escargot. Thank you.
nous, on est à Nagoya et on s'est réveillés tôt ce matin parce qu'on va aller voir un match de sumo. Alors, je vous rejoins là-bas. Bye! Et j'espère que ça va vous amuser et que vous allez aimer ça. Vous allez aimer ça. On est arrivé aux places de sumo, sauf qu'on va arrêter parce qu'il y a une place où il faut aller manger et c'est très long, c'est dur, genre 6 heures. Alors je rejoins après la pause de manger et ça se peut qu'on va aller aussi voir un temple qui est proche d'ici, mais je vais vous le montrer. C'est même que ça se finit, notre randonnée dans le château de Nagoya. Je vous suggère d'aller dans celui-là, puis parce que c'est à côté de la place où les sumos se battent, et c'est une bonne place à venir. Alors je vous suggère de venir ici. On se rejoint au combat de sumo. La dernière fois, c'est normal parce que les vedettes qui se battent. Manger une pâte de crème glacée. C'est vraiment bon, c'est comme des crêpes avec de la crème glacée dedans. Ça a l'air vraiment bon, c'est sucré et c'est un bon mélange. Et je vous dirais d'aller à cette place de crème glacée parce que c'est juste au Japon où on trouve ça. Alors je vous rejoins dans mon autre vidéo parce que mon vlog de Zaka est fini. Alors je vous dis bye, abonnez-vous, likez la vidéo et n'oubliez pas de partager cette vidéo avec vos amis et tout. Alors je vous dis bye bye.